Je m'appelle Quinzelus, la reine du royaume des 15. Y'a un mec qui fait le ménage. Je savais pas qu'au 17e siècle, ils avaient des lunettes de soleil. Ces danses magnifiques que vous avez choisies, mais pas plus magnifiques que vous. Ouh, ça charro dans le chat. Au fait, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as quitté? Oh mon dieu, y'a du drama. Y'a tout ce qu'on veut. David, viens. Y'a du drama, de la romance. Oh, y'a du peuple. Ça danse. Attendez, je ne peux donc pas me présenter décemment ici. Avec une tenue pareille. Comment qu'on fait? Moi, je vais me changer, là. Je veux pas des passes de jeu, je veux être habillée comme une princesse. Pour comme la reine que je suis. Donnez-moi une robe, tout de suite. Attends, je vais demander à un convive de faire son travail et de me servir. Donnez-moi une robe. Ah, il faut qu'on trouve pour se changer, là. On n'est pas RP, David. On n'est pas RP. Venez. Oh, elle veut nous montrer. C'est adorable. D'abord, nous allons nous changer. Car je suis une princesse. Je suis la reine. Il y a rien. Ok, on va aller changer. Madame, monsieur, j'ai préparé vos toilettes après toutes ces danses. Veuillez vous rendre à la porte avec ce symbole pour vous rafraîchir avant de vous coucher. Non, mais il a cru que c'était mon daron, lui. Il va me dire où je vais me coucher quand. J'ai à peine d'arriver à la fête. Oh, je vais être Daenerys. Je suis la reine des dragons. Ça y est, c'est bon. Daenerys, elle a habillé comment? Elle a habillé en blanc, ouais. Elle a une robe blanche. Oh vache, merde. En fait, ça c'est pour changer le corps. Gars, je suis devenue The Rock. Ah ouais, mais c'était juste pour mettre le corps d'homme, de femme. Ça, c'était pas pour faire ça. Mais normalement, du coup, il devrait y avoir pour enlever les cheveux peut-être quelque part. Animation de jouet, ça fait genre trop hautain comme ça. Si, c'est bon, il faut que ça aille là devant. Remove hat, tap here, là. Ça va tout enlever par contre. Bonjour, ta nourriture sera bientôt prête. N'hésite pas à combler tes besoins ou à prendre ce temps pour te détendre jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Christina te ramènera dans un peu. Ok. Oh, j'ai envie de daronner quelqu'un. Faire croire que je suis sa mère devant un de ses potes ou un de son copain, tu sais. Un visage de daronne, là, faut que je trouve. Je vais m'appeler Reine Catherine. Reine Catherine, bio, la daronne. Ça peut pas être ma fille, elle a pas de visage. Ah, y a carrément le prince du Japon qui est là. Servez-moi de suite, j'ai faim. Je cherche une cavalière pour le bal. Je dis, je suis trop âgée, mon enfant. Mais je peux te présenter ma fille. Pourrions-nous faire connaissance? Attends, je crois qu'Evie a fait genre, c'est une servante. Ah non, servante de reine Adora. J'ai pas... Heureusement, j'ai pas dit. Bon. Elle devrait pas tarder à venir souper. Mais du coup, on n'a pas mangé, moi j'ai faim, wesh. Les portes, elles sont fermées, je crois qu'il faut aller servir soi-même. Comment ça? Faut que j'aille me servir. Comment elle se nomme? J'ai un trou de mémoire. Je l'appelle ma petite crevette. Elle est peut-être au dortoir. Allons voir. Attends, faut qu'il y en ait une qui me ressemble comme ça, un peu genre. Une blonde pour que ça fasse daronne. Peut-être... Ah, elle, là. Princesse d'Algérie, attends. Je suis la reine Catherine. Je vais vers Selma. Je suis en train de créer un date. Votre futur cavalier. Ok. Mais c'était pas prévu, moi je voulais créer un drama, mais qui êtes-vous? Tu sais, Selma. Elle me dit oui. Il faut un héritier dans notre famille. Oui. Peux-tu engendrer la progéniture de Selma? Ma fille se doit d'avoir un fils. Quoi? T'es pas prête à ça. Elle me dit quoi? Je dis ouais, non mais ma fille se doit d'avoir un fils. Et Selma, elle réagit seulement maintenant. Quoi? Oui, Selma. Comme je te l'ai expliqué. Oui, Selma. Comme je te l'ai expliqué cette nuit. Ok. Elle me fume, Selma. Ok, et vous voulez que tu te maries? Je ne peux pas écrire marié, mais bon, c'est pas grave. Oh, j'arrive pas à écrire mariage, il me saoule ce jeu. Une grande cérémonie. Il est temps de préparer pour le bal. Encore 3 heures avant le début du bal. Allez, vous préparez. Vous devez être magnifique pour le bal. Je me prépare pour le bal. Allez, venez. Au revoir, princesse. Oh, ils sont trop mimes. Oh, j'ai créé un couple, David. J'ai créé un couple.
quoi. Elle est en train de prouter en marchant ou... Ah, elle pue, en fait, c'est l'hygiène. Ah merde, ouais, merde. Ah non, nous laver. Ah, elle pue. Ah, il y a les bathrooms, là. Les bathrooms. Allons, on bathroom. Ah oui, il faut aller en dessous de la douche. Ça augmente ton hygiène. Attends, je vais l'engueuler, je vais dire Clémentine, cessez de vous dévergonder. Je crois que c'est absolument pas bien écrit dévergonder. Mais je n'ai rien fait. Je vous ai vu accompagner dans votre douche. Je suis vraiment la vieille commère, tu sais. Non, c'est lui, il me suit partout. Cela ira pour cette fois. Mais... Une jeune dame fait sa toilette. Avec sa dame de chambre et non pas avec un homme. Attends, il y a quelqu'un qui pue. Oh mon dieu, Vivi. Oh mon dieu, Vivi. Où sont tes loves d'autruche? Oui, madame. Je viens de me lever. D'où provient cette odeur? Trouvez-moi le coupable et demandez-lui de se rafraîchir. C'est vrai qu'il y a un truc vert là qui reste ici. Madame. C'est bien parce que Vivi, elle joue son rôle, mais je sais pas comment ils font les animes. Je pense qu'il faut que t'écrives un truc dans le chat, genre slash quelque chose ou un truc comme ça. Essayez bien de faire un slash dance pour voir. Moi, je suis trop dans mon RP pour faire le slash dance. Attends, hors RP deux secondes, sinon je pue. Mais sérieux, mec? Attends, le bal, il commence. Le bal est sur le point de souffrir. Je crois que ça doit être à 18h. Ma fille, tu es prête? Oui. Tu es magnifique. Oui, Adora. Je ne sais point. Peut-être devant la salle du bal. Vous aussi. Ah, merci, ma fille. Jeune fille, relevez-vous, voyons. Laissez-moi, c'est un RP. Je lui dis, c'est quoi un RP? Que racontez-vous, jeune sotte? La brûle. Elle me brûle. Attends, elle m'a brûlée. Bon, allez, elle est pas marrante, on y va. Je suis la reine du feu. Ah, je me suis cassée. Non, là, j'arrive. Faut que je vois ma fille. Est-ce que ma fille est sur la piste de danse? Où est-elle? Elles sont là. Je crois qu'elles sont là. Je crois que je vois ma fille. Je suis un peu nouvelle, comment on fait? Oh! Oh, ce RP! Attends, on va faire le RP Astérix. Surveille sa fille du coin de l'œil. Et si du coup c'est la princesse de l'Algérie, moi je suis la reine de l'Algérie. Princesse d'Algérie, bah oui, bah moi je suis la reine. Oh! Mais où vont-ils? Il faut que j'aille les espionner. Je mets un Astérix espionne. Oh! Mais elle l'a giflé! Je rêve où elle est en train de la gifler. Je suis en train de parler à la servante. Vivi, regardez comme ma fille est belle. Soyez discrète, voyons. Oh. Là, je veux dire. Oh. Selma, vous êtes là. C'est barré, elle est passée où, Selma? Bon sang, où est-elle passée? Comment se passe la soirée avec Adora? Il nous faut un héritier dans la famille. Elle m'a dit de partir. Et choquée. Quoi? Elle m'a frappée? Comment cela est possible? Attends, j'ai envoyé la servante pour aller la frapper. Y'a quoi comme insulte ce qu'il disait dans le temps? Nous devons tirer les choses au clair et confronter cette harpie. Bon, je sais pas, je connais pas les insultes. Où est-ce qu'elle est? Adora! Elle est là! Elle... Quoi? Elle pue le caca! Quoi? J'aime une autre. Vous n'êtes qu'une dévergondée, Adora. Ah. Mais il me casse tout mon RP à me TP comme ça, wesh. Beaucoup mieux, regarde Vivi, elle rentre dans mon RP et tout. Je veux dire, Vivi, je t'incombe d'une mission. D'une mission. Oui, madame. Trouver de qui est amoureux Adora, qui l'aime. J'envoie la servante en mission. Oh, je vois. Nous ne devons pas laisser cela impuni. Vous avez raison. Allez, viens Vivi. Là, c'est l'heure de quoi, tant de douche? Ouais, bah allez, go. Hein. Quoi, c'est la résidence, si? Attends, on peut parler au PNJ? Comment puis-je vous aider? Que virer? Hop, je ne pense pas qu'un des modes de tête aimerait beaucoup ça. Je vais faire savoir à Ethan que... Non, ça va, tu peux rester. Je sais même pas où je suis rentrée. Et ça, c'est les chambres. Ah, on peut se coucher et ça augmente l'énergie aussi. J'espère que Vivi, elle va jouer le RP et qu'elle va revenir me dire de qui Adora est amoureux ou amoureuse. Après, je pourrais faire une vengeance. Il se passe des trucs ici. Je vais ouvrir la porte. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il ici? Ah, mais c'est des Anglais qui sont en train de faire du RP fiac. Oula, oula, ah non, je veux pas traduire ce qu'ils disent, hein.
Bien sûr, Inge, Sohei, you can continue. Vivi, tu t'es informée. Il faut que je me venge avant la fin de la vidéo. Pas encore, madame. Ah, Selma, elle s'est mise en pyjama. Y'a que moi qui... Y'a tout le monde qui se met en pyjama, sauf moi. Je compte le faire dès demain matin. D'accord. Je te fais confiance. Ça sent le caca. J'ai pas forcément envie de RP avec une personne qui a un RP comme ça, mais bon. Madame, oui. Vivi, dis-moi tout. Il semble que ce soit une certaine Evie. Je vais me rafraîchir, aller dormir, passer une agréable nuit. Vous aussi. Ah, mais en plus, elle est là, Evie. Elle vient de passer à côté. Mais bon, je dois m'arrêter. C'est des obligations. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. J'ai essayé de créer des petits dramas, etc. J'ai créé un couple qui s'est découplé. Voilà. Non, en vrai, le jeu est sympa. Il y a limite plus de RP ici que sur Brookhaven, lol. Ouais, ça joue plus sérieux le RP, c'est cool. Après, peut-être qu'on a eu de la chance et qu'on est tombé sur un bon serveur. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas finir la vidéo sur la vengeance pour Evie. Bon, d'un autre côté, vous aviez vu que le RP de Adora, il est... au début, je pensais qu'Adora allait faire du RP à peu près correct. Et sur la fin, bon, tu pues caca, c'est pas ouf. Je voulais un petit peu rigoler. Bon, j'espère quand même que ça vous a fait rire un petit peu. Et Selma, qui s'appelait comment, je sais plus, dans le chat, qui a joué le jeu, franchement, elle est rentrée dans l'RP direct. Je lui ai dit que c'était ma fille, elle a pas bronché rire du tout. Ok, je suis ta fille, y a pas de problème. Ça m'a fumé. Et voilà, et mention spéciale à Vivi aussi, qui joue une servante en RP, c'était cool. Mais pourquoi ils viennent dans ma chambre? Wesh. Le pose sur le lit, ok. Regardez, les gens, ils font du RP, là. Bah, sur ce, dites-moi si vous voudrez d'autres vidéos sur Fantasia. Je fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.